Alors, salut tout le monde, c'est Vasto05 et je suis fier pour vous présenter. Enfin, je suis fier d'être ici pour vous présenter cette mêlée générale au sniper. C'est une mêlée générale où je vais jouer à l'intervention d'un machine qui est Kamikaze lui-même. Donc, je ne sais pas ce qu'il attendait pour lancer, hein. Bon, voilà, il lance. Et vous allez voir que. Non, il y a pas mal de fois où on va bien se tuer, on va même excellemment se tuer, je ne sais pas si ça dit, mais bon, c'est pas grave. Donc je commence avec l'intervention balle chemisée, passe pro, force pro et commando pro, à force à bien habitude. Et en fait, non, je décide de changer, j'ai pris sur grande capacité, et les atouts sont les mêmes. Donc ça va peut-être être une vidéo information. Hein, donc quand je vous dis information, c'est que je vais préparer une frappe mobile. Ou sinon, un petit gameplay. Si ça vous plaît, avec quelqu'un de proche. Donc ça pourrait être, je sais pas, Madame Bastogerichin. Ou au pire, ma grande soeur, hein, qui pourrait y participer. Enfin, c'est comme vous le décidez. Si ça vous plaît, bah, vous le mettez dans... en commentaire, non, c'est pas un peu clair. Donc, oui, vous le mettez en commentaire. Ça serait gentil. Sinon, je vais aussi revenir un point sur le gameplay. C'est que je ne fais pas de 1v1 au snipe. La preuve, j'ai de la peine. Et franchement, je vous dis direct. Donc, je joue à Call of Duty 6 Modern Warfare. C'est vraiment que pour me détendre. C'est quand je suis énervé et tout. Et là, là, il y a l'homme ma team qui m'a dit, l'homme ma team sur le qui me dit, oh, allez bien, plus sur 4-6, là et tout, c'est pas en bas, il faut mieux pas y aller. Donc, si je suis mieux, vous avez vu que mon niveau n'est pas très élevé au sniper. Je crois que je fais du. Je ne sais pas du combien je fais, mais enfin, oui, je joue. Maintenant, je suis niveau 49, voilà. Donc, franchement, hein, mon niveau en plus, il est pas très élevé au sniper. Vous prierez d'être indulgent, c'est pour ça que je ne fais pas dans un VSM, parce que si je tombe contre un bon sniper, je sais que je vais me prendre. Donc voilà que je vais pas aller plus loin, mais je pense que vous savez où je vais en plus. Enfin non, un peu de sérieux. Attendez, je reviens une minute, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc il y a eu un petit problème de fond avec mon casque. Donc voilà. Il y en a qui vont mieux dire que ouais, mais ça sert à quoi que tu vas sur MW2 si c'est juste pour le fun. Bah moi je vais sur MW2 quand on me le demande. Ou juste que c'est pour le fun parce que les cuiscopes, hein, je ne veux pas cacher. Les cuiscopes rentrent mieux sur MW2 que sur la petite Black Ops. Sinon, ah oui, une petite vidéo information aussi. Voilà, ça va être ça le sujet. C'est information sur mes techniques de jeu, sur des prochaines vidéos qui vont sortir et sur le nouveau jeu qui va sortir, qui soit Battlefield, FIFA 12 et le tout fameux MW3. Donc oui, MW3 va sortir. Je ne sais pas si vous connaissiez encore les armes, mais si je me trompe pas, et franchement, je vais essayer de pas dire de conneries, si je me trompe pas, il paraît qu'il va avoir toujours l'intervention, mais avec un autre nom. Donc franchement, j'attends de voir ça. Donc là, j'étais énervé, donc j'avais sorti la barrette, et la barrette, franchement, le son que je mettrais du mieux, c'était ça sur MW2, c'est ça. Donc voilà. Donc oui, vidéo information, donc il paraît qu'il y aura l'intervention mais avec un autre nom. Donc je voudrais bien voir ça parce que franchement ça va être bizarre de pas voir l'intervention avec le même nom. Mais bon. Sinon aussi il paraît qu'il y aura le L96-1 avec un petit mélange de M40A3. Donc ça va vraiment être spécial. Après il y aura bien sûr comme d'hab la barrette. Les 50, hein, normal, hein. Je pense qu'on est habitué, on va dire. Je pense que sur tous les Call of Duty alliés, voilà quoi. Ouais, après, enfin, je vais un peu vous parler aussi maintenant. On a fait un concours, hein, sur un niveau 3.
Maintenant aussi, oui. Alors, il paraît que on va se prendre beaucoup moins de hit markers. Donc, en gros, là, vous avez vu, en gros, on joue là. Là, on joue, il n'y a même pas de hit markers. Si on se prend un hit marker, c'est pas normal. Donc, si c'est comme ça, je vous dis, si en ligne, c'est comme ça au sniper, et ben, je peux vous dire que je vais me dégagner. Parce que franchement, sur Call of Duty Black Ops, mon nom favori, c'est le snipe. Hein, et le nombre de hit markers que je me suis pris, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, sérieux. Mais je dis pas ça pour me vanter ou quoi. Non, non. Mais je me suis pris environ, je sais pas, j'ai fait 5000 phrases avec. C'est un petit bonjour à Devon, Snipe, qui est dans ma team sur Black Ops, c'est un petit bonjour à toi. Je me suis pris un nombre de hit markers, mais incroyable. Incroyable. Franchement, oui, j'étais un peu content quand ils nous ont dit ouais, on va, il y aura beaucoup moins de marques. Bah là, pour vous dire, oh, quand j'ai appris ça, j'étais content. Ah bon, franchement, merci à Infinity War qui a beaucoup moins de ça, de marques. Après, on va aller un peu sur la bêta de. Battlefield Bad Company. Non, c'est pas ça, c'est beau. Non, on va aller. Je vais un peu vous parler de la bêta de Battlefield 3. Bah, franchement, les graphismes sont pas mal du tout. Non, regardez, là il s'amuse à me chercher. Un petit conseil. Quand vous n'arrivez pas à rentrer le bushcope, faites toujours un noscope juste après. Ça rentre toujours parce que même là, il va même nous le prouver. J'arrivais pas à l'enchaîner en quick. Je vais enchaîner avec un noscope et regardez là. Il monte, il saute, flash cop loupé, le pop, et il rentre. Donc voilà, c'est franchement une petite technique, ou moi, ça m'a fait pas mal. Donc là, je me suis allé, je pense, mais en fait, c'est pas mal de choses. Donc, j'ai vu, mais les graphismes, ils me pètent. Il y a deux, trois petits bugs, parce que c'est la bêta, mais le jeu, moi, je vous le conseille à tout le monde, parce que je sens qu'il va être pas mal, ce jeu. Et ouais. Enfin, ça risque de faire à beaucoup de personnes. Et si ça continue comme ça, c'est pas pour dire que je préfère Battlefield. Mais si ça continue comme ça, je pense qu'il y aura plus de gens qui vont jouer à Battlefield qu'à MW3. Donc, sachez, je ne veux pas de retour sur ça. C'est juste pour vous dire, hein, que, franchement, après, si tu aimes qu'avec Call of Duty Black Ops, si on compte pas le zombie, bah le jeu à vrai dire ils avaient pas tiré les quickscopes et tout, il y avait pas mal de mes potes à moi, et on avait pas mal de gens qui sont allés sur Battlefield juste parce qu'on avait plus de quickscopes. Donc voilà, c'est vrai. Donc en plus il paraît que le quickscope est un petit peu bien sur Battlefield, donc pour tous les adorés de quickscope, il y en a peut-être pas mal qui vont y aller, hein, sur Battlefield. Enfin, je ne sais pas, enfin je suis pas dans votre tête. Ça vous décidez, c'est pas moi, et puis voilà quoi. Sinon, parlons un peu de FIFA 2. FIFA 2, il y a eu beaucoup de changements. Pour taper, je ne sais pas comment on tape. Le mec, enfin vous voyez dans FIFA 11, moi, la touche carré, c'est pour tacler. Et ben j'appuyais sur carré. Ça ne voulait pas tacler. Le mec, il mettait son corps en opposition, mais il ne voulait pas tacler. Et ça, franchement. Et alors, c'est un bug de la bêta de FIFA 2 ou quoi. Mais à mon avis, oulala. Donc oui, je sais que le jeu est sorti. Je ne l'ai pas encore acheté. Enfin, voilà, là, je ne l'ai pas acheté parce que j'avais pas envie. Mais s'il y a de bons trucs de mes potes qui me disent ouais, c'est bon, vas-y, prends-le, on pourra faire le match en ligne. Bon, bah, je vais le prendre, mais deux pour faire le match en ligne avec. Sinon regardez là, je vais lui mettre un salaire en échec. Mais vas-y, tant que le couteau là, mais il est franchement dégagé, regardez-le. Voilà. Alors, il m'avait tué au minigun, après il me tue au couteau de lancer. Et là vous allez voir, il m'a fait sortir parce que vous allez voir quoi, après je vais tuer au piton. C'était tout à fait loyal, je veux dire. Je peux pas dire que c'était pas loyal parce qu'en fait c'était tout à fait loyal. Hein, je vous le cache pas. Mais bon. Après, je vais vous dire un petit truc. Alors, notre team cherche un recrutement sur
encore ceux qui sont beaux en snipe et qui perdent de presque aucun 1v50 mitraillette, bah je leur dirais qu'ils viennent faire un test pour être dans notre team. Notre team, nous, c'est pas une team où on recrute des mecs parce qu'on les connaît. Non, non, c'est pas du tout nous, c'est ils font un test. S'ils sont morts, ils sont morts. S'ils sont nuls, ils sont nuls légers. Nous, c'est ça. Voilà, là, j'ai tué tout le monde. Donc, en gros, si à l'un des youtubeurs, ça l'intéresse, bah, il sera pris de m'envoyer un message perso sur ça. Sinon, sur YouTube, en message perso, hein. Normal, sinon, je finis avec un score de 30 à 12. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, abonnez-vous. Et sinon, ciao tout le monde.